Bonjour tout le monde les amis, c'est Red pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur un jeu nommé Assassin's Creed Pirates. Je suis sur portable, il est dans Play Store, oui, vous allez pas me croire, non je rigole. Il a mis environ 20 minutes à le télécharger sur mon téléphone, je suis super content. Bref, il a fallu que je désinstalle Rolling Sky, désolé. Enfin bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc je suis en compagnie du juge de la dernière fois. Il vous avait dit son nom, c'est Dragon. Donc, tout simplement, donc il va vous dire la note qu'il a donnée à moi, donc la note qu'il m'a donnée. Donc un 15 sur 20, super, je suis content, merci, c'est très gentil, bref, je m'attendais plus à un 16, mais c'est pas grave, pour un point, hein. Bon, je sais même pas, oh punaise, il y a un bateau, ah mais non, j'ai cru qu'il y aurait un bateau devant moi, mais non, c'est le chargement, excusez-moi, je suis nul, comme on avait dit sur la première vidéo qu'on a fait tous les deux, vous pouvez mettre dans les commentaires la note. Voilà, donc vous pouvez mettre la note que vous m'aurez mis à moi. Plus vous allez avoir raison, plus vous allez trompé. Ouais, donc je sais pas quoi faire. On va aller déjà à donc. Je sais même pas où sont les zones de baleines, mais je vais aller faire exploser un ou deux bateaux histoire de m'amuser. Donc attendez, je vais faire exploser cette chose là. Oh, elle est partie. Je vais aller là-bas, je vais le rattraper. Oh, non. Je vais aller faire exploser le bateau rouge. Lui là. Bonjour mon ami. Bonjour. T'es mort. C'est lui sûrement. Oui c'est lui, c'est sûr. N'essaye même pas. Boum. Raté. Nickel. Esquive parfaite x2. Boum mec. Oh c'était méchant. J'arrive pas à le toucher. Raté. Ok. Mais non, en fait, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Les graphismes, je crois que il peut bien mériter au moins un 19 minimum quand même. Parce que c'est un superbe jeu, franchement. Pour l'instant, je n'ai vu aucun bug de détail. Rien du tout. Les graphismes sont magnifiques. Ah, et pourquoi je mettrais moi un 19? Tout simplement parce que... C'est-à-dire comment régler l'intensité des graphismes, quoi. Donc, moi mon téléphone j'ai de la chance, il est assez puissant. Il y a certains trucs ça va pas fonctionner. C'est pour ça que j'enlèverai un point. Voilà. Donc. Ah bah tiens, il y a un temple Maya là-bas. Je vais y aller. Voilà, donc par contre, ils ont pas vraiment plagié, mais enfin, voilà quoi. Je vais vous montrer un peu les graphismes, comme c'est un truc, mais impressionnant, franchement j'adore. Donc voici ce qui se passe dans les temples. Les graphismes sont magnifiques, c'est énorme, je bug à mort en plus, c'est ça que j'adore. Du coup en fait c'est comme dans Temple Run, sauf que là on est à la place du personnage, tu vois, on voit pas le personnage, c'est trop classe. On voit bien le 3D, c'est magnifique, c'est superbe, on voit bien les mouvements et tout, enfin, on voit bien que le mec il fait les mouvements. On voit bien le sol qui est un peu plus loin.
Le 3D est super bien fait, les murs sont bien faits. Une chose qui m'énerve un peu, je sais pas comment j'ai fait pour tomber, sûrement parce que j'ai parlé. Réessayer, hein, on va réessayer. Ah, d'accord, je suis content. Je ne peux pas, d'accord. Bon, je vais faire exploser un ou deux autres bateaux. Je vais essayer de battre un gros bateau si je le retrouve. Parce que la dernière fois, hors caméra, j'ai fait exploser Enfin, je me suis fait exploser, excusez-moi, par un énorme navire. Donc attendez, je vais essayer de retrouver le fameux navire. Ah bah voilà, c'est cette chose-là. Il est énorme. Et ben c'est parti. Hein. Non. Ouf. Oh non, zut. J'ai la flemme de combattre. Mais il est pas très bavard. C'est tout, il a décidé de se taire. C'est une bonne résolution pour cette année 2017. Non, je rigole, c'est de l'humour. Il est enrhumé, le pauvre. Non, je rigole. C'est parce qu'il est pas bavard. Alors, boum! Non, j'aime pas. Par contre, je vais le tuer. Passe! Je suis très content. Raté. Oh youpi, j'ai un boulet enchaîné. Ça va pas me servir à grand chose puisque c'est pas là-dedans que je vais. BOOM! Je vais faire exploser. C'est un truc pour éviter une attaque. Comme ça. Alors attends. Oh non. Oh, j'ai fait n'importe quoi et j'ai quand même réussi à l'esquiver. Mais je suis un boss, les amis. Bon, bah je vais l'exploser. Hein. Je vais exploser littéralement la tête. Boom, bitch. J'ai la flamme de. Une cinématique, hop, deux trois coffres là, ça fait du bien. J'ai toujours demandé qu'est-ce que ça. Oh bah, pour tout ce qui est réparation, j'imagine. Oh non, il y a 10 millions de. Non, j'en fiche. Oh non, il y a un risque. Oh non, il y a un truc, un brick. Voilà, un brick. C'est trop fort. J'aime pas. C'est super fort. J'aime pas. Je déteste ce bateau. Pas un risque, mais je suis nul. Un brick, voilà. Un brick. Je sais pas pourquoi je dis risque. Oh, j'ai réussi. À l'arrière, t'avais raison. What? Il tire 15 fois d'affilée, wesh. Oh, ça fait 3 fois qu'il tire. C'est pas vrai, ça. Vas-y, tire. J'ai explosé ce putain de brique. N'empêche qu'il est classe ce bateau. Il est fort. Fort et classe. C'est quoi? Ah, c'est un phare. Ah, ouais, d'accord. Je sais pas. Point d'observation 5.
Oh, cool. Je m'en fiche, mais cool. Non, mais après, je vais d'abord faire un truc. Par là, je vais passer. Je vais vous montrer le putain de navire que c'est. Un truc de ouf. Les amis, voici l'Arizona. Ouais, la... Ah non, l'Amazon, excusez-moi. Chaque fois, je confonds tous les noms de bateaux. Je sais pas pourquoi. C'est mon jour. Oh, les deux, ils sont deux. Et en plus, ils sont deux, hein. Oh. Youpi, je suis en plein dedans. Je suis content. Ah, t'as plus de... Ah, je suis mort. Voilà. C'est exploser. C'est le putain de pire bateau du monde que j'ai. Hein. Voilà. Si vous avez le jeu, dites-nous, ça m'améliore. Ouais, deux, trois petits conseils. Ça ferait du bien, ça ferait plaisir. Voilà, voilà. Donc, je sais pas ce que c'est que ça, mais... Oh, 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 je vais à Donf. Youpi. Hop, 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 il y avait un coffre. Non, il y avait un coffre. Non mais attends, le truc là, non mais attends, d'abord, voilà, et oui, on y va, mais cette fois-ci on n'y va pas avec le truc, Non, parce qu'on peut pas régler les graphiques. Il peut pas aller plus vite? Sérieux? C'est nul, Et en fait, à quoi ça sert leur truc? Non, ça c'est le défi du jeu. Je suis content. Oh my god! Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que quoi? Non, 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 non. Oh, il m'a pas chopé l'autre. Levez l'ancre. Oui. Non. Ah, ça fait un déplacement rapide, d'accord. J'ai pas compris. Je vais essayer de combattre le bateau qui est là. Je sais pas ce que c'est comme bateau, mais à mon avis, c'est un brick aussi. Et attention, on va voir. Et non, ce n'est pas un brick, c'est un nul. Très nul, même. Je vais l'exploser si je peux. Ouh, le truc est assez dommage. Je sais pas comment on fait pour aller aussi vite pour esquiver les balles. Ça c'est vrai, c'est un peu bizarre quand même, comme le bateau esquive les boulets. BAM! Et aussi, c'est dommage qu'ils mettent pas un avantage. Bon, je sais pas si c'est le même, mais voilà, il y en a donc. Est-ce que mon cher ami, je pouvais le tester? Pas au cours de cette vidéo, mais oui, ok. Hors caméra. Hors caméra, oui, tout à fait. Donc, allez. Là. Adieu, voilà, allez. Et c'est la fin. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, bien sûr. Alors, un petit objectif. Si on atteint les 100 pouces bleus, je refais une vidéo sur ce jeu. Voilà, donc si on atteint les 100 pouces bleus seulement. Sinon, bah non, voilà. Donc, c'est parti.